École Caline. Le groupe Ambunjne se joint à la fête. L'école privée Caline Sisaïvat célèbre son 10e anniversaire. À cette occasion, une fête exceptionnelle a été organisée au Centre de conférence internationale d'Ivat. Ainsi, outre la traditionnelle remise des prix aux meilleurs élèves de chaque classe, la direction de l'école a profité de l'occasion pour souhaiter bonne chance aux 13 élèves du CM2 qui vont passer l'examen du CEPE demain. En fait, ça, pendant 10 ans, on a eu des hauts, des bas et tout ça. Donc, c'est important pour moi en fait, de marquer les 10 ans parce que ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on va essayer d'amuser vraiment les enfants, les parents, les connaissances, les amis et tout ça. Pour qu'on puisse vraiment nous amuser en fait. Il y aura des chanteurs en groupe d'artistes au mariage qui vont venir aussi pour animer cette fête. Et c'est spécial parce que c'est un concert intégral. Et aussi à quelques heures de l'examen du CEPE, que peut-on dire à propos des élèves du CM2 et de ce qui va se passer pour eux? Les élèves du CM2, chez Caline, ils sont prêts. Hein? C'est pour ça qu'on n'a pas hésité en fait, à faire toujours une fête avant le CEPE. Ils sont prêts, ils sont, je pense qu'ils n'ont, ils n'ont pas du tout peur de passer cet examen. Par ailleurs, les enfants, le personnel enseignant, ainsi que les parents, ont eu l'agréable surprise de voir le groupe Ambunjne. Ce dernier qui a montré tout son talent au cours d'un concert très particulier. Mmh.